Eh bien, salut à tous, c'est Christophe de Dark Side Movies. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode du Chasseur de l'Extrême, en compagnie de Mick sur Val des Bois. Donc allez, c'est parti, on y va. Bon bah salut Mick, comment tu vas? Bah très bien, très bien, très bien, et toi? Eh bah ça se passe. Donc j'ai vu là qu'on était sur Val des Bois, donc découvrir, hein, parce que moi je connais pas du tout cette map. Donc bah je suis en ta compagnie justement pour la découvrir. Eh ben écoute, on va essayer de te faire découvrir cette partie-là de la carte. D'accord, et tu veux aller chasser quoi là exactement? Bah par ici, il n'y a que du bouquetin, donc on n'a pas trop le choix. On va être obligé de se contenter du bouquetin, voilà. Ok, j'ai pris un petit peu de... J'ai pris quand même quelques trousses de soins, hein, parce qu'on sait jamais. C'est préférable, ouais. Ça m'est déjà arrivé de tomber, comme ça. Donc bah vas-y, c'est parti, je te suis, il n'y a pas de soucis. Eh ben écoute, c'est parti alors. Apparemment, j'ai déjà entendu quelques animaux nous partir à côté, là, par contre. Ouais. Où ils sont, je sais pas. Apparemment, il y en a un qui est parti dans notre dos. Alors, sur cette partie de la carte, on pourrait y aller, puisque bah, il se retrouve bloqué. Et on pourrait peut-être plus facilement le voir, mais bon, on va partir plutôt dans les grands espaces. Ok. Ouais, ça fait longtemps que tu chasses chez les LCVF. Bah les... chez les LCVF, oui, puisque bon, je suis... Ah tiens, un bouquetin qui vient de partir à côté de nous. Bon. Ah. Peut-être essayer de se baisser un petit peu, une petite femelle. Tu l'entends crier, je sais pas si tu entends les petits cris qu'elle vient de... quand elle s'est enfuie. Je crois que c'est... Ah oui, mais je crois que c'est un oiseau, moi. Non, c'est des tout petits cris, bref, voilà, ça c'est une femelle. Enfin, une femelle ou un mâle, parce que les deux émettent ce cri. Qui sont pas loin, donc a priori. Quoique là, elle s'est sauvée, donc je pense qu'elle a fait sauver les autres avec. D'accord. Donc oui, sinon, bah, chez les LCVF depuis le début, puisque j'ai créé avec Shai les LCVF, donc... Ah bah, il fallait donc, bien voilà. Que je fasse un épisode avec toi. Ah, forcément. Si j'en ai fait un avec Shai, il fallait que j'en fasse un avec toi. Forcément. Forcément, nous sommes tous les deux les fondateurs de ce forum. C'est bizarre que j'aille plus vite que toi quand je marche. Oui, c'est possible. Alors, je l'entends, par contre, je la vois pas. Je sais pas si elle est dans le trou. Ah, je la vois face à moi, là. Ah, alors tu as de meilleurs yeux que moi. Un petit peu sur ta gauche. Un petit peu sur ta gauche, en plein milieu de la plaine. Tu la vois? Ok, sur le flanc tout en haut. Non, non, là, en plein milieu, là. Ah, elle marche, là. Sinon, il y en a une qui nous fait face, qui est juste en face aussi. Je sais pas si tu la vois, je peux te la pointer. Bon, je peux tester un premier tir. Alors, je vais utiliser la 300, c'est une arme qui, bon, qui chez attends moi que, est attends stable. Que je la voie. Attends. Je la vois pas. C'est peut-être un petit mâle, il descend, il est juste en face. Ah oui, je le vois. Ah oui, moi la femelle a été beaucoup plus près que ça. Hein. D'accord, oui, non mais... Attends, parce que là je suis tombé. Ah merde. Okay. Attends, je remonte. Vas-y. Parce qu'il faut que j'arrive à te prendre en même temps que le tir. Alors je l'ai perdu le mâle. Il est où? D'accord, je le vois. Il est là dans le trou. C'est bon. Je vais le perdre moi derrière des arbres. Pour l'instant je l'ai plus en visu. T'as la femelle qui est juste à gauche. Ouais, je la vois. Qui nous regarde d'ailleurs. Tu veux que je la tire? Voilà. Ah, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ok, c'est parti alors. Le mâle, il a pas l'air de courir. Si ça y est, il court. Il remonte. Alors, comme le temps de rechargement de la 300 est lent, c'est pas gagné pour ouais, trop faire loin, plusieurs là, trop tirs. Ouais. Alors j'ai pris la 300 parce que bon, tout simplement c'est une arme que j'ai qui est level 20 hein. Et ouais. Bah ça me permet dans ces terrains qui sont un petit peu escarpés, ça me permet de tirer même debout ou accroupi. Elle est stable. Après j'ai la 30-30 qui est plus éthique, hein, c'est-à-dire que bon les bouquetins sont des petits animaux donc à la limite la 300 est c'est un gros calibre hein, pour ces petits animaux là, mais bon. Ma 30-30 n'étant pas très élevée, elle bouge beaucoup. Ok.
Bah, moi, la 300, c'est celle que je préfère, en tout cas. Elle est très bien, la 300. Et moi, je peux t'assurer que une 300 level 20, même accroupi, ça bouge pas, quoi. D'accord. Bon, après, quant à ma rapidité, hein, tu parlais tout à l'heure de déplacement, je suis un petit peu vieux, donc c'est peut-être ce qui explique aussi. Ah bon? Sérieux? Bah oui, sérieux. Ça joue dans le jeu, ça? Non, du tout. Ah bon? Tu m'as fait peur. Non, mais c'est bizarre, parce que je même accroupi, je te dépasse, en fait. Pourtant, ouais, je suis pas en course, c'est bizarre. Peut-être lié à ma connexion aussi, hein, puisque je sais que Shai m'a déjà fait la remarque quand je joue avec lui. D'accord. On va à la petite femelle. Alors, est-ce que tu veux un petit trophy? Bah vas-y, hein, fais. Oh, on va essayer de lui redresser un petit peu la tête. Bonjour mademoiselle. Du mal à la redresser un peu mieux. Bon, c'est pas grave. Bon, ben on va y chercher le mal maintenant, si on peut. Ouais, mais ils sont craintifs quand même, les bouquins, non? Très craintifs. Très craintifs. En plus, pas véritablement de vêtements qui permet de les cacher. Je pense qu'ici, on peut utiliser... Bah, j'allais dire toutes les tenues qu'on veut, hein, y a pas de... Ouais. Y a pas beaucoup de différence. Le maquillage, on peut se maquiller si on veut. Après, c'est vrai qu'arriver à les approcher et les avoir sur des... C'est pas forcément évident. Ouais. Et t'as déjà réussi à faire un très bon score sur le bouquetin? Alors actuellement, je crois que le maximum doit être un 200, j'irais 250 de tête. Hein. Je veux pas assurer, mais bon. Ok. Bon, ce qui est déjà un bouquetin correct. Ouais, j'imagine, ouais. Alors après, alors là, ça va être peut-être un peu compliqué. J'ai déjà eu l'occasion de voir trois combats de mal. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse assister à un combat. Mais alors là... Ah, t'as déjà vu des combats? Oui. Ah, oui. Et c'est beau? C'est original. Ça a au moins le mérite de présenter une autre animation, de présenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les bruits sont différents de... Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'entendre un bouquetin dévaler les rochers et faire du bruit. Le bruit des cornes est légèrement différent. On distingue nettement le combat quand on l'entend. Ok. Putain, sacré vue là avec les nuages. C'est beau. Ah, ici, oui. J'ai un cercle plein sur la trace. Alors, est-ce que c'est le mâle qui est pas loin? Possible. Alors, deux secteurs, si tu veux les observer ici, on va descendre un petit peu parce que là, faut viser en face toi, je sais pas si tu l'as sur l'Huntermet, hein, il y a deux barres rocheuses foncées, il y a un léger espace entre les deux, c'est la zone, ouais, où il faut passer. Et à ce niveau-là, on devrait avoir un visuel sur deux parties qui sont susceptibles d'avoir quelques bouquetins.
Bon, on va avancer un peu plus vite. Encore une trace sur la gauche. Ouais, c'est celle que j'ai prise juste avant. Je pense que c'est le mâle qui est parti devant nous tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on peut chasser sur Val des Bois exactement? Alors, dans les parties hautes, bah, uniquement le bouquetin. Ouais. Ensuite, dans toute la partie basse, hein, toute la plaine, là, enfin plaine et forêt qui se trouve du côté de la rivière, là vous avez bah, le chevreuil, hein, le cerf et l'aaf, et puis l'ours. D'accord. Et le renard. Y a pas... Ah oui, le renard, ok. Et c'est bizarre qu'il y ait des renards mais pas de lapins. Ah, peut-être qu'un jour on aura le droit au lapin. Parce que le renard il chasse le lapin. Exactement, mais. Après, c'est peut-être aussi un choix des développeurs, puisque bon, le lapin qu'ils ont sorti est théoriquement le lapin américain, donc pas notre lapin à nous. Ouais. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ils l'ont pas mis sur Val des Bois. Enfin, peut-être. Est-ce que c'est le lapin d'Amérique, je sais pas quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Morphologiquement, pas beaucoup de différence avec le nôtre. Bon, si ce n'est que ce sont deux espèces différentes qui peuvent pas se reproduire. Ok, ça je savais pas. Il est pas un peu plus gros non plus? Très bonne question, je ne sais pas. Voilà. Par contre, qu'il pouvait pas se reproduire, ça je savais pas. Non, non, les deux font pas partie du tout de la même espèce. Alors, un petit visuel de ce côté-ci. Où parfois, on peut avoir quelques animaux. Je dis bien parfois. Ah, j'en vois un. Bah, dis donc, t'as une meilleure vue que moi, je ne l'ai pas en visu. Attends, j'essaie de te le marquer. Ah, d'accord. Il est à peu près par là. Ouais, ok. Peut-être un petit peu plus sur la droite. Ouais, je le vois encore là. Il monte justement sur la trace que je t'ai mis. Eh ben, décidément. Il est à la limite de la barre rocheuse, en fait, de la falaise. Près des arbustes. Ah. Ah, ça combat là, non? Non, non, je pense que c'est un caillou. Attends, enfin. Là, on entend les animaux. Alors, c'est un mâle. Hein. C'est un mâle qui vient de. Et qui est complètement derrière nous, donc il doit être. Ah, il y en a un plus bas. Si on se retourne, alors oui, si on se retourne, normalement, le mâle doit être sur la barre rocheuse derrière nous. Sinon, t'en as une là, qui est juste là, juste devant. Alors, en contrebas. On va reprendre. Face au point que je t'ai mis, et elle est à moitié de chemin. Exact, je la vois. Alors, on va essayer la. Là, et l'autre, si tu veux, il est dans la même direction, mais tout au loin. Ouais, on va essayer la 30-30, histoire de prendre une arme peut-être plus adaptée pour le tir du bouquetin. Par contre, là, je vais m'allonger. Ouais, c'est une femelle. Ah, elle court. Ah, repéré. Alors, bizarre. Course. Oh, là, on a été repéré. Alors, ah, y a plus. Ils sont deux là-bas au fond. Ouais. Bon, je vais peut-être reprendre la 30, puisque de toute façon, je pense que là, pour cette femelle, c'est raté. Alors, j'en ai une, je sais pas si tu la vois en contrebas. Si, si, je la vois, ouais. Qui est de dos. Je peux essayer de la tirer si tu veux. Vas-y, hein. Ah non, c'est pas la même que tu as tué, d'accord. Ah, pardon. Ah ben, c'est celui que je t'avais marqué tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Alors. Là, il y a la femelle qui court dessus, là. Elle vient de passer à côté de lui. Ah, elle est derrière l'arbuste. Ouais, ça y est, elle est redescendue. Ah, là, par contre, je l'ai raté. J'ai essayé la course, mais...
Alors on les entend, je sais pas si tu entends toujours ces petits cris hein, qui correspondent. Non, j'ai du mal à les définir quand même. C'est si les tout petits cris, bref, c'est les bouquetins. Après une fois que tu as l'habitude, bon. Ah, elle bouge plus là, si tu veux. Alors attends, je vais reprendre puisque j'étais en train de pointer. Moi, je la vois. Alors, elle devait être légèrement contrebas, oui, je vais essayer. Elle est loin, mais on va essayer. Peut-être tomber là. Oui, normalement, je pense que c'est mort. Bon, on va aller chercher ça. Hein. Ah, il y en a encore qui piaillent. Alors, par contre, tu me suis là pour descendre si tu veux éviter de tomber. Ok. Le passage ici qui est le plus sûr, c'est de longer. Bah, tu me suis et il y a une petite bande de neige là qui permet de grimper, qui va permettre de. Bon, on n'est peut-être pas obligé de monter forcément sur cette partie-là puisqu'elle est en contrebas, mais. Ouais. Ça, c'est un trajet que j'aime bien faire. Tu longes après la frontière et tu descends suivant la frontière. Il y a souvent du bouquetin et il y a quelques beaux panoramas qui te permettent de faire des tirs sympas. D'accord. Bon, je vais peut-être me redresser quand même, ça sert à rien Tu peux faire du de perdre 300 mètres trop en de temps. tir là. Ou avec la 300, pas 300 mètres parce qu'on ne voit plus les animaux à 300 mètres, hein, mais bon. On D'accord. peut. Et Là. c'est quelle arme pour tirer vraiment très loin? Ben, toutes les armes tirent loin. Le problème dans le jeu, c'est qu'on a une disparition des animaux qui se fait allez, aux alentours des 200-220 mètres. Alors, D'accord. j'allais dire sur terrain plat. Alors après, ce qu'utilisent les joueurs qui font des tirs longue distance, c'est qu'ils tirent à partir d'un point haut. Sachant que Okay. comme la distance est à l'horizontale, le fait de tirer d'un point haut, ça permet d'augmenter la longueur du tir. Ouais, logique, ouais. Actuellement, les tirs longue distance sur Val des Bois, ça doit tourner aux alentours de 170-300 mètres. Je crois 270, il faudrait que je vérifie. Hein. Bon, c'est. Mais c'est vraiment des tirs qui se font dans des conditions bien précises. Okay. Après, au-delà, l'animal disparaît. C'est une des caractéristiques du jeu hein, qui fait que tu peux pas. C'est dommage. Dommage, oui. Après, bon. Faut comprendre qu'automatiquement, ça nécessiterait aussi des. Beaucoup de ressources au niveau du jeu parce que bah forcément hein, plus on met de détails hein, sur des distances longues hein, plus c'est gourmand forcément. Et puis après est-ce qu'il y aurait vraiment un intérêt de pouvoir tirer des animaux qui se trouvent à 500 mètres alors que dans la réalité j'allais dire ça se fait pas quoi. Ou alors faudrait revoir complètement la balistique du jeu hein, pour qu'il y ait. Ils l'ont revu sur certaines armes, cette balistique, bon, de façon à ce que on puisse pas justement réaliser ce type de choses, quoi. Ou avec correction. Bon bah de nouveau une petite femelle. La pluie qui vient se mettre de la partie. C'est pas grave, j'aime bien la pluie. La pluie me gêne pas, c'est le bruit qui est plus gênant. Ah. Et c'est vrai que parfois, je peux pas dire que j'apprécie tout le temps. Voilà. Sinon, t'as quel âge toi, Mick? Oula, le mic. On va sur ses 50 ans pour
Voilà, oh, quand même. Eh oui. Oh, l'ancêtre! Quand je te disais qu'il est pas tout jeune. Oh, moi je vais avoir 39 à la fin du mois, mais. Ah, ça vient vite, on vieillit vite. Oh oui. Tu comprends pourquoi je me déplace moins vite? Écoute, t'achèteras un petit déambulateur? Ouais, bah on finira comme ça de toute façon. Hein. Ah, c'est sûr, comme tout le monde. Bon, ma trace de sang, je présume qu'elle doit pas être loin. Derrière les rochers là normalement. Ouais, elle est là en bas. Alors là, c'est pareil, en face, tu as déjà un petit plateau en visuel qui peut être intéressant. Je crois que j'en ai tiré un ici. Ouais. Ouais, il me semble. Ouais. C'est le tir que j'avais fait à plus de 200, je crois. J'avais réussi une fois. Bon. Ouais, quand même bien réussi cette map. Hein. Ah, elle est très jolie. Elle est très jolie. Ouais. J'aime bien surtout le bas. Près de la rivière et tout, là, c'est vraiment sympa. C'est vrai que c'est une carte aboutie déjà au niveau de la végétation. On a déjà une végétation qui est un petit peu différente, qui est plus variée aussi. Et c'est vrai qu'il y a des environnements aussi différents, bon, au niveau des. Bah justement, cette partie haute là qui est plutôt rocheuse. La partie basse qui est verdoyante, là on est. Non, on est quand même sur des belles cartes. Ah, c'est clair. Alors si tu longes la flanc de colline, normalement tu tombes pas. J'ai bien normalement, Normalement. il suffirait bien sûr que. T'as mis de la corde dans le coin? Ah, de toute façon, t'es obligé pour monter jusque là-haut, non? Non, bah justement, en ayant placé ma tente là où elle est, je peux chasser sans corde. Mais Ouais, mais et la tu. première fois, t'es obligé de venir avec Non, une corde, non, non, non? tu peux passer en contournant complètement la montagne. Je sais pas si tu vois sur la carte. Tout à droite, là-bas, au fond. Prendre, voilà, complètement tout à droite. Ouais. Il faut, tu contournes tout et tu peux venir poser ta tente là. Alors après, bon, bien sûr, automatiquement, ça t'oblige à ne chasser qu'ici, quoi. Alors j'ai des cordes, hein, j'ai une corde un petit peu plus bas qui me permet de descendre quand même. Ouais. J'ai testé aussi d'autres zones rocheuses de l'autre côté dans le sud de la map, qui elles aussi nécessitent une corde. Je suis pas mort, c'est bon. Moi, je vais mourir, je suis sûr. Non, 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 normalement ça passe, hein. Et bien C'est normalement. passé. Ah! Ah, ouais, exact. Une femelle qui doit se trouver, ah, qui se trouve devant nous, mais derrière le petit python. Alors si on arrive à suivre justement ce flanc de colline jusqu'à ras du petit python, on a un beau petit visuel derrière. Et peut-être qu'on arrivera à la voir. Et ils bougent beaucoup les boutins ou ils restent souvent sur place? Non, ils se déplacent. Et s'ils ont. Enfin, un S'ils peu ont. moins que le porc sauvage quand même, parce que le porc sauvage, lui, cochon, là, il se déplace vite tout le temps, lui. Bah, le territoire est déjà un peu plus limité, donc forcément ça va limiter leur déplacement. Mais non, je. Alors j'ai jamais poursuivi non plus des groupes de bouquetins, mais ils se déplacent quand même pas mal. Hein. Ils restent jamais au même endroit. D'accord. À ce propos, d'ailleurs, j'ai jamais vu un bouquetin dormir comme c'est le cas pour les autres animaux. Ah ouais, c'est pas faux. Alors, a priori, c'est les traces de celle qui est derrière là qu'on suit, qui sont là le long.
Bon, j'ai pas encore trop chassé ce bouquin, donc j'ai pas des un level énorme, ce qui fait que j'ai pas encore les toutes les indications sur les traces. Ouais. J'ai le sexe, par contre, j'ai pas les l'âge des traces, hein, c'est-à-dire le temps écoulé depuis le laisser de traces, quoi. Ça, je l'ai pas. Et il n'y a pas d'aplomb pour le bouquin? Non, du tout. Dommage. Oui et non. Je suis pas forcément un fada des apôs. Bon, c'est peut-être aussi le côté européen. Les Américains aiment bien la chasse à la peau. Les Européens l'utilisent un peu moins. Les Allemands beaucoup plus que les Français, par exemple. Ouais. C'est vrai qu'en France, on est plus sur des chasses devant soi, des battues, mais rarement des chasses où on attire le gibier. D'ailleurs, ça, je prévois de faire une vidéo là-dessus sur une battue. Ah, Faut que j'organise ça. ça peut être très sympa. Alors là, on va peut-être faire attention. Je pense que tout de suite après la butte, on devrait avoir un petit visuel sympa. Alors, est-ce que madame nous a attendu ou pas? Ah, apparemment, je l'entends piailler. Alors, où te Ils sont pas entendus. caches-tu? Tu ne l'entends pas? Ah, il y a les bruits. Alors, il Ah est ouais, où? ça j'entends. Ah, a priori, elle est en dessous, nous. Bien sûr. Alors, pour la voir comme ça, on va peut-être se décaler sur la gauche. Sans qu'elle nous repère, mais là, c'est pas gagné. Bon, tu me dis si tu la vois parce que... Ça doit être vachement en contrebas, quoi. J'ai le message qui me recommande de partir. Allez. Bon, je l'ai pas en visu. Elle nous a peut-être pas attendu d'ailleurs. Ah, quoique je l'entends. Tu l'entends là? Non. Ah si, là Alors. j'entends, mais des fois j'ai l'impression d'entendre des oiseaux, quoi. Ça ressemble effectivement à un petit cri. Alors c'est bref. Il y a un oiseau qui chante comme ça, mais pour lequel le cri est un peu plus long. Alors, il serait pas étonnant de l'avoir détalée parce que si elle piaille, elle est là, mais. Alors, souvent, quand elle piaille comme ça, c'est un petit peu comme les chevreuils, c'est qu'ils sont. Voilà, ils ont senti qu'il y avait quelque chose d'anormal, ils ont senti qu'il y avait vraisemblablement une présence. Je sais pas si tu as Okay. remarqué en chassant le chevreuil. Parfois, le chevreuil il pousse des petits cris quand tu arrives à. Je vais dire pas très loin de lui, ben ils ont tendance à faire pareil. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à pousser des petits cris, certainement pour avertir les autres qu'il y a du danger, quoi. D'accord. Bon, ce qui est dommage, c'est que je l'entends, je ne vois pas.
Alors peut-être que toi qui as visiblement une meilleure vue que moi, l'as repéré. Ah non, je la repère pas, c'est ça le truc. Je l'entends, mais je la vois pas. J'ai encore le message, mince, je suis obligé d'avancer. Bon, bah, je crois qu'on va pas insister, hein, elle veut pas se faire tuer, elle veut pas se faire tuer, hein, c'est pas grave. Ah, Là, mais si c'est bizarre. je l'ai peut-être là-bas. Ah ouais, elle est là. Elle est à flanc de. Alors attends. Faut que je me recule pour te la pointer. Je sais pas si tu la vois, je l'ai pointée. Elle C'est est bon, je la vois, je la à vois. ras de. Voilà, à ras des sapins. C'est bon, Alors je là, la vois. par contre, je vais pas pouvoir faire de tir allongé parce que y a un rocher, donc on va essayer le tir accroupi. Tu me dis si je peux y aller. C'est bon. Ah ouais, là, les traces de sang, on les voit, hein, jusqu'ici. Hein. On les voit. Oh putain. Hitshot, hein. Non, j'ai tiré dans le dos, je pense que je suis plutôt colonne vertébrale à cette distance-là, je vais peut-être surtout accroupi, je vais pas risquer la tête. Hein. Je suis pas encore assez bon pour pouvoir faire ce genre de choses. Oh! Il y a eu une déconnexion. Putain, j'ai eu chaud. Il va falloir que je fasse une coupure sur le montage. D'accord, bon Ah, bah quoique écoute. non, c'est les aléas. Ah, ça fait partie du. Voilà. Mais j'ai eu peur. C'est la première fois que je voyais ça d'ailleurs. Connexion issue là. Ça a duré 2 secondes. Ah, parce qu'habituellement. Quand quelqu'un a ces problèmes-là, tout le monde est déconnecté. J'ai pas eu de message du tout. Ouais, chelou. D'ailleurs, quelqu'un a nettoyé les traces de sang. Elles y sont plus. Il n'a pas plu pourtant. Donc une petite femelle. Oui, je t'avais dit balle de colonne vertébrale, je l'avais vu sur le dos plutôt. Ouais. Alors je te propose d'essayer de remonter. Allez, c'est parti. Une zone où on va avoir un visuel peut-être un petit peu plus compliqué. Par contre, il y a souvent des animaux. Alors, si on peut monter, visiblement, ouais, je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu sur nos pas. C'est un des inconvénients de cette carte. Voilà, c'est que quand on ne connaît pas précisément les passages, on se retrouve parfois un peu bloqué.
toujours en suivant cette partie-là, on a une deuxième petite butte là en face, avec parfois des animaux derrière. Bon là, le visuel est un petit peu plus limité, mais il y a une trace, donc il doit y avoir, je pense, encore du monde. Alors, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, on a déjà fait quelques battues ici. Ah ouais? Puisque Sur cette map. Ouais, tu parlais justement de faire des battues. Tout en bout là de la zone que l'on pousse, il y a une barre rocheuse avec bon, moi j'ai pas mis de cordage, mais il y a une corde à 25 qui permet de grimper sur cette barre. Et quand on pousse les animaux, souvent ils se réfugient. Et chat, il y a une tente en haut, et la personne qui se place sur le haut plateau, lui, peut faire de jolis tirs. On a déjà fait une quinzaine d'animaux en faisant ce type de battue ici. D'accord. C'est cool. Alors, est-ce qu'il y a du monde derrière? Donc la partie surélevée, je te disais, dans laquelle viennent souvent se réfugier les bouquetins, c'est celle que tu as en face là. D'accord. Ah, il y a du passage ici. Il y a de la trace. Il y a du monde. Je pense que d'ailleurs, au vu des traces, on a tout un groupe qui est parti en direction justement de cette zone. Est-ce qu'on aura la chance de les voir avant qu'ils grimpent, peut-être? Est-ce que les bouquetins n'ont pas besoin de corps pour y grimper? Contrairement à nous. Eh oui. Bon, là je reste accroupi parce que je pense que s'ils sont là, ils sont pas loin. Avec toujours le problème, je le disais tout à l'heure, que j'ai pas l'âge des traces, et donc je sais pas depuis combien de temps ils sont passés. Si ça se trouve, il n'y a personne. Quoique là, sur une trace d'excrément, j'ai plus de 60 minutes, donc elles sont pas fraîches. Ah. Ah ah ah, il y a un bruit, il est où? J'ai une femelle d'annoncer devant, justement au pied de cette barre rocheuse. Je sais pas si tu as eu le message. Non, j'ai pas eu le temps de le prendre. Alors, ce que je te propose dans ces cas-là, pour garder justement un visuel sur,
sur le plateau qui est là, c'est de longer complètement la montagne qui se trouve sur notre gauche. Ouais. Ça va nous permettre, en nous mettant à flanc, de prendre un peu d'hauteur et de pouvoir garder un visuel sur toute cette partie-là. Si on file, si on Ah, passe ça de... y est. Ah, tu l'as? En visu, tout au fond là-bas, elle monte la montagne. D'accord, là, attends, je regarde. En train de monter la falaise. Exact. Alors, je te disais que justement, ils n'ont pas besoin de. Ah ouais, ça monte bien, ouais. Ouais. Alors après, risquer le tir d'ici, pourquoi pas, hein, ça peut être possible. Hein. Je peux le tester à la 300. Oh là, attends. Allez, allez, encore bientôt en haut là. Il faut pas qu'elle soit trop en haut parce que sinon. Elle redescend. Bon, attends, je me place. J'ai les cailloux qui m'empêchent de me placer. Alors. Elle bouge plus là en plus là. Attends, je vais essayer de trouver une zone. Alors, est-ce que tu l'as? Est-ce que je peux tester le tir? Moi ouais, je la vois, je la vois. Ok. Oh là, oh là, oh là, elle court. Oh là. Ou elle est dans le ciel. Oui, Elle est en oui, l'air. oui. C'est bon ça. C'est ouais, c'est original. Alors après, Mademoiselle. le problème de la Mademoiselle. tirer ici, c'est que j'ai peur qu'elle tombe. Ouais, d'accord. Donc là, je tire plus parce que Voilà. comme j'ai pas de corde, je pourrais pas aller la chercher. Non. Là, elle est trop loin, puis elle est passée derrière le rocher. Bon. Ah, il doit y en avoir un ailleurs là. Il y en a une autre. Oh bah ils sont à 3. Il y en a 3 sur le sur la droite, là, dans la petite cuvette, tout en haut de la butte, ils sont. Voilà, ils se sont réfugiés. Attends, parce que déjà, je sais pas où tu es. Je t'ai pas. Ah oui, Ah, t'es là-bas. je vais te les D'accord. pointer. Je vais te les pointer. Ils sont à 3. Ils sont réfugiés. Je disais tout à l'heure, hein, le problème c'est que voilà, ils ont tendance à se réfugier souvent là-haut. Et comme moi j'ai pas mis de corde, je peux pas aller les chercher. Est-ce que tu vois là où j'ai pointé? Ils sont à 3. Attends, je regarde. Apparemment 3 femelles. Je les vois pas. Un ras de... Tout... Tu vois la petite cuvette qui est formée par la barre rocheuse au fond. Ouais. Ils sont au sommet du creux de la cuvette. Merde. Ah tiens, Ah oui, d'accord, ils ça y viennent est. de faire du bruit, ça y est, tu les as? J'en vois deux, moi. Il y en a une qui fait demi-tour, il y en a une qui est partie derrière. Et il y en a une en face qui bouge pas. Celle-là, je la vois Il y en a une qui pas. bouge à droite, une qui bouge à gauche, et puis enfin celle qui est sur la gauche, elle est. Maintenant elle est passée derrière la barre, tu la vois pas. Il y en a une qui est immobile, une qui nous fait face, tu la Ouais. vois? Il y en a une qui me fait face, ouais. Et donc à l'opposé de celle qui est de profil, il y en a une autre. Donc, qui apparemment a disparu sous la barre rocheuse. D'accord. On va peut-être Bon, descendre, non? là de toute façon, bon, on peut avancer un peu, hein, bah, mais je pense que ce sont des animaux qui vont avoir la vie sauve. Ah bah écoute, hein. Faut toujours garder quelques reproducteurs, hein, de toute façon. Décidément, j'ai des problèmes pour grimper. Par contre, je dis, si tu as l'occasion, toute cette partie-là est assez favorable. Ouais. Bon, si tu as l'occasion, par exemple,
Ah si, tiens, celle qui est complètement à gauche, je sais pas si tu la vois. Elle nous tourne le dos le long de la barre rocheuse. Ouais, si ça y est, je la vois. Alors celle-ci pourrait peut-être tomber si je la tire. Enfin, j'y bien peut-être. Quoique non, il y a deux rochers en dessous qui vont la retenir. Non, si tu as l'occasion, tu iras voir sur la carte de Chai, il a une tente tout en haut, ça permet de faire des petites battues tranquilles. Alors bien souvent je longe comme je le fais ici, ça me permet de garder de la hauteur pour pouvoir inspecter tout le bas, conserver un bon visuel. Bon là ces demoiselles nous ont devancé, puis elles aussi ont pris de la hauteur. Qui s'est barré en courant. Ce qui n'est pas forcément surprenant, hein. Ah, il y en a une qui revient. Non, elle reste là-haut, elle monte de plus en plus, quoi. Ah là, elles sont là-haut, elles redescendront pas, hein. Les vilaines. Ah. Elles ont peut-être pas forcément envie de finir en beefsteak, hein. C'est clair. Bah, de toute façon, là, on arrive à la fin de l'épisode, hein, c'est déjà. Ah, ça fait 3 quarts d'heure quand même, hein, un Ah, petit mec. déjà. Et ouais. Et c'est le temps montagnard qui fait que. Bah, écoute, moi, je vais me faire rapatrier en hélico, hein, D'accord. pendant que je te laisse continuer, je vais dire au Écoute. revoir à mes abonnés, puis voilà quoi. Écoute, pas de soucis. Ok, bah, je te laisse à tes vacances. Je recommence, je te laisse à tes occupations. Et puis bah, j'ai dit au revoir aux autres, et puis voilà quoi. Eh ben Ok. merci bien et au plaisir, hein, pas. Bah pour le prochain, pas de soucis. Ok. D'accord. Eh Allez, ben, tchou! ciao tout le monde. Ciao. Et bien voilà, c'est fini pour le 6e épisode. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour le 7e épisode plus tard. Avec un duo, normalement, si je me trompe pas. Et prochainement une vidéo sur U2 battu. Voilà les amis, allez sur ce, je vous bise et je vous dis à plus. Tchuss.